initialement prévu cette année. En 2021, Gran Turismo 7 a connu un décalage. Il a été officiellement reporté à 2022 sans beaucoup plus de précision il y a quelques temps de cela maintenant. À cette occasion d'ailleurs, le titre a été annoncé cross-gen, alors qu'au début quand même, on avait tous compris qu'il sortait que sur PS5. Bon, depuis, il n'y a plus beaucoup de news, pour ne pas dire il n'y en a plus du tout. Sauf que, les spécialistes de GT Planet, c'est un site vraiment très très bien informé sur l'actualité de Gran Turismo, etc. Ils ont fait une petite découverte. Regardez. Sur leur site, ils ont commenté la chose. En fait, quand on va dans la zone expérience PlayStation, on peut trouver tout ceci. Ça, c'est des images qu'ils ont capturées eux-mêmes. On voit donc une bêta Italy Gran Turismo Beta Access en test avec une clé bêta qui est proposée si on regarde quelques secondes d'une vidéo de Gran Turismo. Vous voyez que la bêta, d'ailleurs, est censée s'arrêter le 31 juillet 2021. Ok. Il y a marqué test de partout. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que il y a aussi le code est uniquement PlayStation 5. Regardez, c'est marqué en bas, en jaune. Bravo, Gran Turismo Quest, le Italy Gran Turismo Beta Access, etc. PS5 only. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, déjà, ces images, c'est clairement du placement. Les dates sont pas bonnes. Le titre, est-ce qu'il est bon ou pas, on ne sait pas, etc. Mais ça doit vouloir dire quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare du côté de Sony avec Gran Turismo. On sait que pour le précédent opus, ils avaient aussi fait une bêta test. Bon, que si le jeu à la base devait sortir en 2021, il est quand même plutôt bien avancé. Il y a sûrement du report pour des choses à affiner, etc. Mais une bêta paraîtrait pas complètement inimaginable du tout. On sait que PlayStation devrait reprendre la parole prochainement, au mois d'août, etc., est-ce que ce serait pas l'occasion d'annoncer une bêta? Est-ce qu'elle sera, au final, exclusive PlayStation 5 ou aussi sur PS4? Pareil, ça c'est difficile d'être catégorique, puisqu'on sent qu'il y a quand même pas mal de placements. Quand est-ce que le jeu va sortir? Début 2022? Dans le premier semestre? Premier trimestre? Deuxième semestre? Écoutez, on verra, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des choses en préparation du côté de Polyphony Digital et de la PlayStation 5 autour de ce Gran Turismo 7. Je sens que l'actualité ne va véritablement pas et définitivement pas s'arrêter de tout l'été,